tu en veux ? Pour continuer dans la même veine de la question précédente, qui est clairement en lien avec ce que tu poses toi comme énergie derrière, tu en veux. Tu as une forme de haine. Je mets ce mot parce que là, c'est le seul vraiment qui est le plus proche dans mon langage pour... Tu as une forme de... Je me contrefous des autres. De dédain. Et tu le masques savamment avec ce que tu vis au niveau de la surface de ton conscient, de ton identité. C'est comme si je te disais, tu souhaites être prise en pitié alors qu'en fait tu nous détestes tous. Quelque part, t'as pas envie d'être aidé. T'as envie de soumettre avec ta position de faussement victime, de faussement personne fragile. Attends, il y a un truc qui passe là. Quelque part, c'est un élan de changement. C'est un élan de changement. C'est un élan de... Comment je pourrais dire ça ? C'est un élan de... Mais laissez-moi tranquille. C'est comme si je te disais, t'as envie de changer d'image, t'as envie de changer d'apparence, t'as envie de changer de... Ah putain, t'as pas envie d'être à ta place en fait. C'est plutôt ça, t'as pas envie d'être à ta place. Ta priorité, elle n'est pas sur trouver ma place, trouver une place qui me fait me sentir bien. Trouver des solutions à l'extérieur qui me font me sentir bien. Et je sens toujours chez toi ce que ça vibre, en tout cas de mon point de vue, c'est ce côté domination. C'est ce côté... Alors, derrière le côté domination, on a... Il y a un noyau. Il y a une sphère qui se nomme domination. Et alors, je vais commencer par là, ce sera plus simple. La domination et la définition inconsciente de la domination pour toi. C'est je fais ce que je veux. Je suis libre de mes mouvements. Et c'est plus juste dit comme ça, c'est un refus de tout ce qui vient de l'extérieur. Et tu te blindes pour que l'extérieur ne te touche pas. Il ne faut pas que les gens voient la sincérité en toi. Une sincérité tellement cachée qu'elle est digne d'un trésor perdu. Tu ne souhaites pas qu'on voit ça. Tu fais tout pour étouffer les pistes qui mènent à toi-même. C'est un frein pour toi à l'évolution, et l'évolution, ça veut dire à te reconnaître tel que tu es. C'est-à-dire autant maudite que bénie. Ça veut dire autant blanc que noir. Autant salope que sainte. Tu génères une image de toi qui est fausse et tu perds les gens là-dedans. Le sujet, c'est pas la maladie. C'est pas un retour à la normale. Le vrai sujet, à mes yeux, c'est te retrouver en face de qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, ça veut dire ce que tu vibres vraiment. Pas ce que ton mental présente aux autres et te présente à toi, parce que tu l'écoutes. Ce que tu vibres maintenant, sans détour, sans être,
sans être perturbé ou déconcentré par une quelconque musique, par une quelconque mélopée qui viendrait dans ces eaux et qui te ferait te perdre toi-même. Et ça, ce côté mélodie qui vient de dans ces eaux, c'est vraiment ton rapport à l'extérieur. C'est de la crédulité. À la fois tu mens aux autres et à la fois tu es crédule vis-à-vis de leurs propres mensonges. Et tu tournes autour de ce noyau de vérité qui est guérisseur. Et je te dis pas ça pour te sous-entendre que tu vas guérir parce que j'en sais rien. Parce que je suis pas là pour te faire des promesses que tu croirais de manière crédule pour te donner un peu plus d'espoir. Je suis là pour te dire ce que je ressens de ce que tu vibres en toi. Ça, c'est pas pareil. Parce que les bases de ta question, c'est mens-moi. Mens-moi, j'ai besoin de quelque chose, que quelque chose me fasse poser le pas d'après parce que je n'ai pas la force. Tu maintiens une structure qui, si elle ne pompe pas ton énergie de tension, s'effondre. Et tu veux pas qu'elle s'effondre parce que tu as peur de trouver ce qu'il y a au centre de ce château de cartes, autour duquel tu avais construit ce château de cartes autour de quelque chose qui est là à t'appeler. C'est une énergie que je touche maintenant, que j'appelle énergie guérisseur, guérisseuse, quelque chose d'ordre de la guérison. Et en ce qui concerne le groupe, ça concerne le côté crédule. À quel moment on se coupe de nous? Le groupe est dans un, est dans, c'est, t'es dans un truc comme ça. C'est soit tu ne vois que toi, soit tu ne te vois pas. Soit tu mets tout en œuvre pour ne voir que ta magnificence ou que ta négativité, soit tu fais tout en œuvre pour ne rien voir de toi. Merci pour ta question, Serena.